Konnichiwa, Miyasan, ici Shinpa Vlogum, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 10 boosters Soleil et Lune 3+, voilà, si je ne me trompe pas. Alors c'est cette petite boîte qu'il y a ici, ces 3 boosters, ce sont des boosters en vrac, je ne vais pas les ouvrir. C'était pour la déco. Et donc aujourd'hui on va s'ouvrir 10 boosters de cette petite display. Alors je vous montre un petit peu tous les côtés. Alors petit crocodile, le Pikachu est trop beau avec l'arc-en-ciel, le Yveltal. Sur l'autre côté il y a le petit Celebi Shiny, voilà, le Flamiaou et le Palkia. Voilà, le dos bah il est blanc. Voici les côtés. Le devant avec le petit Pikachu ici, le Mewtwo qui est classe et le Mew Shiny qui est pas mal du tout. Un Mew Shiny est plutôt classe, Mewtwo Shiny il est moche. Alors, Made in Japan, blablabla. Il n'y a pas écrit combien de boosters il y a dans cette display, mais je doute qu'il y en ait. Enfin, je me doute qu'il y en a que 20. Voilà, on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors, où sont mes petits ciseaux? Voilà, on va glisser ça là. Est-ce que j'ai réussi à... Alors la display, j'ai envie de la garder intacte, ça c'est sûr. Voilà. Et voilà. Alors je pense pas que c'est une série que je vais collectionner, mais il y a une carte que je veux absolument avoir dans cette série. Et c'est un Mewtwo... c'est une ultra rare bien sûr, et c'est un Mewtwo GX, si je ne me trompe pas. Alors à la base je voulais ouvrir ça, mais je vais pas le faire. Voilà les petites languettes. On a sur les deux côtés la liste des cartes, mais bien sûr je ne parle pas le japonais, je ne lis pas le japonais, donc je ne sais pas quelle carte il y a ici. Vu qu'il y a deux languettes, peut-être que sur un côté je vais le traduire. Voilà. Oh pardon, on va prendre 10 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et normalement il devrait en rester 10. Je vais juste compter au cas où, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a effectivement 20 boosters par display. On va refermer ça, c'était comme ça. Et ceci comme ça. On va mettre ça sur le côté ici, pourquoi pas. Voilà. Et on va s'ouvrir ces 10 boosters. Et je ne sais vraiment pas s'il faut faire un genre de 1, 2, 3, 1, 2, hein, si vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr, il y a par booster, il n'y a pas 10 cartes ici. Il y a 6 cartes, c'est écrit là. Voilà, SM3+. Et je sais pas, on va faire un booster test. Et après, on verra bien si, si la rare est en dernier. Ou si la rare est en avant-dernier ou quoi, qu'il faut faire un 1 ou un truc du genre. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ces cartes avec vous. Hop, voilà. J'ai ouvert la, le booster à perfection. Hein, et je vais bien sûr tous les garder. On va mettre ça de côté ici. Et c'est parti. On commence avec un zoom smooth, voilà, et c'est parti avec un petit Bagiguan, trop mignon, trop choupi. Ensuite on a le crocodile, celui qu'on avait vu sur le côté de la display. Il est vraiment sympa aussi, j'aime bien les petites fleurs violettes ici, elles sont trop belles. Ensuite on a un petit... celui-là je sais plus, j'allais dire larveillette mais non, pas du tout. Je sais pas, j'ai beaucoup de trous de mémoire pour les cartes quand elles sont en japonaise. Limite de l'anglais au français ça va encore, mais je sais plus. Ensuite il y a U pour Unko, en fait il y a écrit C ici. C pour Ko qui veut dire commune. La U pour Unko, enfin j'imagine que c'est ça. On a déjà eu 3 communes. Une co. Waouh! Waouh! Ce Léopardus est magnifique! Je suis fan. Je suis fan. Bien sûr. Ah, j'allais dire, on ne peut pas dire le nom de l'illustrateur, mais si, Kawaiyu.
Kawayu, tu fais des illustrations qui vendent du rêve. Ils sont trop beaux. Ensuite, on a... Ok, on a... Lara. Vous avez peut-être vu qu'elle brillait. Hein, on a peut-être chopé un truc. Donc voilà. Une autre Unko. Celle-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être la nouvelle dresseur de Soleil et Lune 3. Mais moi, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et on va terminer avec... La rare, c'est une holographique. Waouh! Alors, je ne connais toujours pas le nom de ce légendaire. C'est un nouveau légendaire. Je vais voir ça tout de suite. Mon PC, il est juste là. Légendaire 20. Parce que je sais qu'il a paru pour le film 20. C'est Marshadow. Marshadow, le Pokémon légendaire qui est sorti avec le... en même temps que le film 20, en fait. Il est... beau, il est beau. En fait, j'aime bien le fait que les holographiques soient aussi holographiques sur le côté, en japonais, parce que en français et en anglais, quand tu découvres la dernière carte et que tu vois que ça brille en dessous, tu sais que c'est une légendaire. Une légendaire, qu'est-ce que je raconte ? Une ultra rare. Par contre, en japonais, quand tu fais ça, t'es pas sûr si c'est une ultra ou une holo. Et ça, c'est vachement classe. Je suis vraiment contente. Cette pioche me plaît pour le moment. On a une holo. Et c'est un Marshadow. Ok, on va mettre ça ici. On continue. On continue, d'ailleurs ça fait déjà 6 minutes que je tourne, 7 minutes presque, honnêtement, si ça dure trop longtemps, je vais m'arrêter à 5 boosters et je ferai une deuxième partie, voilà, c'est pas que j'ai pas envie de tourner, bien sûr j'ai envie de t'ouvrir, mais il faut que j'aille quelque part tantôt et voilà, j'ai pas trop le temps de t'ouvrir, allez, voilà, sinon bien sûr je tournerai tout à la suite. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Hop. Sinon j'ai trop de vidéos d'avance et c'est pas drôle non plus. Parce que alors quand je vois les commentaires, je me demande mais de quoi ils parlent. Alors que c'est une vidéo que j'ai tournée il y a plutôt longtemps. Hop. Alors c'est 1-1. Et c'est parti avec un petit... Oh le petit Negapi, le petit Posipi. Oh c'est trop choupi. Oh là là. Nogimizo. Nogi Miso, tu fais des illustrations magnifiques. J'adore. Alors, j'ai bougé ça. Alors, un petit Negapi. Alors, je ne connais pas encore le nom de tous les Pokémon de Soleil et Lune. Surtout que je ne suis pas fan des Pokémon chats en général. Parce que je ne suis pas une personne qui aime les chats, voilà. Donc, on va passer celui-là. Un Electrode. Voltorb Electrode. Ouais, c'est Voltorb qui évolue en Electrode, hein, pas l'inverse. Ensuite, on a... Ouh! Oh waouh! Un Florizarre, mais il est badass. Alors j'adore Florizarre. J'adore Florizarre, c'est un de mes Pokémon favoris. On va continuer avec. Ok, Lily. Lily, Lilié, c'est comme vous voulez. Moi j'ai l'habitude de dire Lilié, mais maintenant à force d'entendre les gens dire Lily, bah, je dis Lily. Et on termine avec une autre holographique. Ouh, Manaphy holographique. Oh, waouh. Oh, celle-là, elle est trop belle. J'adore. À la base, je ne suis pas une grande fan du style d'holographisme de Soleil et Lune. Parce que c'est un peu n'importe comment, on va dire. Alors que dans XY, c'était bien aligné comme ça. Mais j'aime bien. Le fond, il donne vraiment bien. C'est quoi? C'est l'océan. C'est une vague. On voit mieux comme ça. Avec le ciel étoilé, il est juste trop beau. Trop, trop beau. Alors, je vais... juste mettre les holos ici, comme ça. Et je vais mettre le reste de côté, ici, sur le tas de boosters. On va continuer avec le troisième. Hop. Allez. J'ai vraiment envie de casser aucun booster, en fait. Parce que, honnêtement, ces boosters Mewtwo-ci, ce sont ceux que je préfère. Ils sont trop beaux. Allez. 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 Ah voilà. Voilà, voilà. Et on va faire 1-1. Waouh. Et c'est reparti un petit Herbizarre. Trop choupi choupi. Oh j'adore. Ensuite, encore un Flamiaou. C'est le même qu'on a vu sur la boîte. Ensuite, oh petit Zorua avec le Zoruar qui tient en fait. Ça doit être sa maman ou un truc du genre, c'est super cute.
Ensuite, on a un... Je sais plus. En anglais, c'est Pyroar, je crois. Non, c'est pas Pyroar. Pyroar, c'est... Enfin, je sais plus. Ah, ne me tuez pas! Ensuite, on a, je sais pas, un récupérateur d'énergie ou un truc du genre. Aucune idée. Waouh, waouh, ça tombe. Et on termine avec une autre holo. Arrêtez de tomber les cartes. Qui est... Oh, Shaymin. Trop belle, cette carte. Os. Je sais pas si on a d'office des holos dans ces boosters, mais en tout cas, elles sont trop belles. Ou alors j'ai de la chance, hein, avec toutes mes holos. Mais elles sont super jolies. On continue, on va s'ouvrir encore deux boosters, je crois, parce que ça fait déjà 10 minutes que je tourne. Hop. Du coup, j'aurai encore 5 boosters par après. Enfin, dans une prochaine vidéo. Hop. C'est parti. On fait 1-1. C'est moi ou il y a une pète quelque part? Oh, j'ai rêvé, j'ai cru qu'il y avait une des cartes qui était pétée. Ensuite, on reprend avec... Oh, Abo. Petit Abo. Un Quillfish, il est trop marrant, j'adore. J'adore celui-là. Ah bah voilà, regardez. C'est Shin Nagasawa qui l'a fait. J'adore les illustrations de cet illustrateur. C'est pas parce qu'il a le même nom que moi ou quoi. Enfin, le même pseudo que moi. C'est juste que je remarque. Chacun son illustrateur préféré, bien sûr. Hein. Ensuite, on a un... Ok. Il est moche. Désolée de dire ça, mais celui-là, j'aime pas du tout. Et il fait peur. En plus, je me rappelle plus de son nom en français. En anglais, c'est Jinx. Lipoutou, voilà, c'est Lipoutou. J'aime pas celui-là. On a un Mustéboué. Mustéflotte. C'est un Mustéflotte. Mustéboué, c'est celui-là. C'est un Mustéflotte. Pas mal du tout. Et on termine avec... Non, on n'a pas encore fini. Si, c'est un échange, j'imagine. Et on terminera avec une autre holo. C'est un Keldeo holographique. Classe. Classe, classe, classe. Pour le moment, j'adore. J'adore. On va terminer avec le cinquième booster. Je ferai une deuxième vidéo par après. Mais je suis en train de choper toutes les holographiques. Hein. Je sais pas s'il y a des rares normales ou quoi. Mais pour le moment, on a que des holos. Hop, et c'est reparti pour le dernier booster de cette vidéo. Hop, et on commence avec un petit Bulle Bizarre. On a toute la famille, c'est super, j'adore. Ensuite, on a un petit Voltorb qui regarde le soleil couchant, l'air pensant. Ah, ma vie se résume-t-elle à moi qui explose? N'ai-je pas autre chose à faire de ma vie? Des trucs plus intéressants? Fonder une famille? Hein, pondre plein de délects. Je suis en train de partir dans un délire là. Ensuite on a... Ok, celui-là je me rappelle plus trop de son nom. Je mettrai peut-être des sous-titres. Pour le moment je me rappelle de tout donc ça va. Ensuite, oh Chapignon. Oh elle est jolie celle-là avec les petites fleurs ici, c'est trop cute. Mizue, c'est Mizue qui a dessiné ça, c'est super cute, j'adore. C'est celle-là, Unko, et on termine. Non, il y a encore une Unko. C'est vrai qu'il y a 6 cartes, parce qu'il y a d'autres boosters qui avaient que 5 cartes. On a un petit Tilly. Ok. Et on va terminer avec... Ah, ça, c'est une simple rare. Oh, non, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu, elle brille comme ça. Est-ce que c'est parce qu'il est shiny? Je sais pas, regardez le signe ici. C'est pas le signe d'une rare, ça. Là. En tout cas, waouh! Il en impose. Il en impose, je sais pas du tout ce que ça signifie, je me renseignerai par après. Et je vous dirai ce que je sais dans la prochaine vidéo ouverture de ces boosters. J'en ai encore 5 à ouvrir avec vous. Je sais pas ce que je ferai des 10 autres qui sont ici. Mais on verra bien. En tout cas, je vais mettre... Non, j'allais mettre un booster là, mais je vais pas le faire. Hop! Voilà. En tout cas, on a eu 4 holos et une shiny, on va dire. Parce qu'il est shiny, ce volcanion. Je ne me trompe pas. Hein. Ouais, c'est bien un volcanion shiny. On va voir si on peut avoir tous les Pokémon en shiny. Je sais pas si chaque Pokémon a une version shiny ou quoi. Mais en tout cas, elles sont super jolies. Je suis contente d'avoir acheté cette display et de l'ouvrir avec vous, les amis.
Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Ça ferait toujours plaisir, n'hésitez pas à partager, à commenter ou à vous abonner pour plus d'ouvertures Pokémon dans un futur proche, très 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 bientôt. Voilà. Dans la même semaine que cette vidéo sortira, il y aura l'autre partie avec les 5 autres boosters. Et n'hésitez pas à voter dans les commentaires si j'ouvre encore d'autres boosters. En tout cas, ça me ferait vachement plaisir d'ouvrir des cartes jusqu'à ce que je chope celle que je veux, si j'arrive à mettre au montage une petite image ici, par ici ou par là, de la carte que je veux absolument piocher, et ben je le mettrai. En tout cas, merci d'avoir regardé, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.